parfait, je m'en vais vous compter cette compétition. Des tryphons de son détale minosaure et tire profit de ses connaissances colossales pour s'imposer sans effort parmi les forts. Telle fut la démonstration de Colossan. Si la face d'une pièce représentait le skill et la chance était gravée du côté pile, les cultumés rouleraient jusqu'à l'autre bout d'Azeroth. Aussi nul ne fut surpris du triomphe de ce behemoth. Le troisième open fut remporté non pas par Icar, mais par un joueur tout aussi ambitieux et solaire. Et se lève et Kane s'imposa en véritable star. L'ancêtre, pas de pitié, il faut que les vaincus persévèrent. Au terme de ce troisième soir, Mars prit fin. Et qui dit soir, dit noir, dit soif et dit faim. En effet, sorti de son cercueil, de son sordide couffin, le vampire à Lucas s'imposa et remporta la série 1. La Firestone Cup fut une compétition mythique. Chaque confrontation eut un dénouement épique. Firestone, mieux qu'un tracker, un compagnon si précieux. On n'a pas connu mieux depuis l'invention du feu. Début avril, l'issue tout est refroidir. Telle la mort blanche qui menace de tout ensevelir. Redoutable en lobby, faisant froid dans le dos à certains. Harold remporta ce quatrième open haut la main. À l'open suivant, le suspense fut insoutenable. Jusqu'à la dernière partie, la lutte était considérable. Mais le triomphe ne peut appartenir qu'à un seul César. Ainsi dans une mare de déboires, physiquement obtint sa victoire. Le sixième open fut renommé le maudit. En effet, il fut la victime des serveurs de Blibli. Mais dans tout ce chaos, where will go? Enfin il put se qualifier, ce Super Mario. Au terme de cette seconde série bouleversée par la sortie du duo et de l'open déplacé, d'une régularité telle Guillaume Larcher, pas tout l'offre parvint son tour à se qualifier. La Firestone Cup fut une compétition mythique. Chaque confrontation eut un dénouement épique. Firestone, mieux qu'un tracker, un compagnon si précieux. On n'a pas connu mieux depuis l'invention du feu. Après une courte pause, mais débuta par le triomphe d'un roi. Pas celui des rats, mais celui avec de l'or au bout des doigts. Tel Midas en son temps, tel Crésus en icône vénale. Les ABM de cœur lui permirent de se joindre à la grande finale. S'en suivit la consécration de celui qui vous terrifie. Normal, non pas du Slenderman, mais du Cider National. Trônant habituellement sur le toit de l'Europe, il a fumé l'Open 8, comme d'autres fument des clopes. Voici venu celui qui joue le jeu à fond, armé de sa détermination, qui dès l'Hercule découvre les cidres, des peu ça les lions, et qui, au terme d'une partie épique, trouva la qualification. Acclamé tous d'Afrique, notre ancien champion. Dernière Open, dernière série, retour noir. Mon cas aussi brillant et rapide qu'Elio sur son char. Gratifiant les mortels de partie en dehors du panthéon duo. La régularité de Speedy assura sa place à la table des héros. La Firestone Cup fut une compétition mythique. Chaque confrontation eut un dénouement épique. Firestone, mieux qu'un tracker, un compagnon si précieux. On n'a pas connu mieux depuis l'invention du feu. La Firestone Cup fut une compétition mythique. Chaque confrontation eut un dénouement épique. Firestone, mieux qu'un tracker, un compagnon si précieux. On n'a pas connu mieux depuis l'invention du feu. Le brawl eut enfin lieu, 16 gladiateurs y prirent part. Des vétérans, des légendes, des habitués de PG, Césus, son art. Mais tout Achille a son talon, et nous perdîmes Girolo, Citron, Creed, Oriette, Schwetter, Erdul, Vip, Gio, ou encore Grand Sommet. De cet affrontement, 4 ont pu se couvrir de gloire. 4 qui fantastiques sont parvenus à écrire l'histoire. Ils ne se présentent plus, meilleurs parmi les meilleurs. Quant
tapant sur la force tranquille, rien ne lui fait peur. Seul parmi les titans, Norki fit connaître son nom, montant sur le podium du brawl, ainsi que de la finale. Mais ce ne fut guère sur la première place, non, car Omid s'est imposé au brawl et en finale. Il n'a pas besoin de potions pour être fort, tel Astérix X. Il n'a pas besoin de maths pour botter Jans QQ. Il n'a pas besoin d'un équipage pour vaincre le Kraken. Sa légende, il se l'écrit seul. Il l'a gravé sur la coupe de pierre et de feu. Quel est son nom ?